Je crois que c'est lui. Hein. Ah, même bon, tu vois, je sais pas. M'étonnerait. Vas-y, arrêtez-vous au niveau du véhicule. Ok, bon, tant pis, de toute façon. Merci. Oh putain, le coup, la D5. Oh, pardon. J'ai pas entendu. Vous voulez. Ah, il aurait fallu s'arrêter pour essayer de braquer, mais non, tant pis. 25. Elle a le culot d'aller vite devant nous. 135. 148. Ah, 155. Ah, par contre, vous pouvez mettre direct. 165. 165 le max. Attends, 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 on va à l'inter pour la gendarmerie. Ouais, ouais. Star Street. Star Street, vert. Lodi, allez sur le bas-côte, s'il vous plaît. Attends, pourquoi me tourne le con? Attendez, attendez. J'en vais sur la 30. Putain, je l'ai plus la 30, c'est quoi ce délire? Venez, on se met côte à côte. Audi sur la voie principale, veuillez vous arrêter. On va effectuer un contrôle de routine de la gendarmerie nationale. Merci de votre compréhension. Ah, le gars, c'est un écart. L'écho est pas trop, celui est difficile. Le gars. Audi sur la route nationale. Deuxième sommation, ici. Je demande de vous mettre sur le bas côté afin d'effectuer un contrôle de routine. Monsieur, excusez-moi, mais en fait on est urgenté. Oui, c'est. On est de là-bas que monsieur. Hein. Ouais, mais très bien. On est sur le bas côté, on va aller. Non, regarde, plus sérieusement, on retourne chez nous, monsieur. Et pourquoi là, négative, on retourne, dis-moi. Viens pas ici. C'est un peu train, voilà. Vous dégagez. Ah bon, arrêtez de vous pointer là, vous êtes. Ok, c'est bon. Ouais, mais c'est bon, ils sont sur nous, messieurs. Mais c'est aux armes. Mais ça va, je suis avec un TMN, vous savez quoi, messieurs? Évitez de me pointer, messieurs, parce que sinon je peux demander à mes hommes aussi. Laisse ton arme et déjà on se détend un petit peu. D'accord? On va y prendre des deux secondes sur route, c'est demande à mes collègues. Comme on vous l'a dit, on va faire un contrôle de routine. Ouais, c'est 4 gens, c'est 4 gens en armes. Bon, vous voulez prendre quoi, monsieur? Bon. Qu'est-ce qu'on faisait, monsieur? Un pion noir qui va vers un tir, est-ce que vous pourriez jumeler vos feux, s'il vous plaît? On est en train de rentrer chez nous, monsieur. D'accord. Parce que je suis parti récupérer mon collègue qui est parti faire une petite course et voilà, on rentrait chez nous. Ah, j'étais parti acheter des armes. Mettez vos armes sur les épaules, regardez, je vais faire de même. Non, parce que vos collègues derrière, on se connaît, hein, le petit taser. D'accord. PKM, moi, mitrailleuse. D'accord, mettez vos armes sur les épaules et tout se passera bien. Il y aura pas. Attendez, de on attend pour votre collègue orange là. Que là, il va. Monsieur Reno, oui, monsieur, mais il va mitrailler avec son taser. Monsieur, c'est juste. Monsieur, c'est par sécurité, vous inquiétez pas, je vais pas m'en servir. Nous aussi, on va mettre l'arme dans le dos en même temps. Regardez, moi j'ai. La mets, monsieur, y'a pas de soucis. Voilà. Ok, attends, je me mets derrière mon véhicule au cas où il essaie de me mitrailler avec son taser. Négatif, je vais rien faire. Bon, ok. Ah, ok, ça veut dire que vous mettez mon arme dans mon dos, vous me rangez votre arme également, monsieur. Vous avez ma parole, monsieur. Votre parole, monsieur, la parole des policiers, ça m'étonne des fois. Voici ma plaque. Ça vous va? Ouais, ok. Et quoi la plaque? C'est quoi le nom? Tyler Gotcha. Ok, bon. Gotcha. Merci, monsieur. Donc, on va juste que maintenant il pourrait juste ranger. Carte grise et papier. Je vais pas vous attacher pour cette fois. Je vais juste prendre vos papiers. Je vais juste rentrer au taser, mais c'est là-bas au fond là. J'ai pas mes papiers moi, sur moi. Monsieur, quand même. J'ai pas mes papiers, monsieur. Vous avez vos papiers, bon, si on peut en papier, on va s'embarquer. Très bien, monsieur Harrison. Le véhicule est à quel nom? Avec quoi? Très bien, je peux vérifier. Si on vous a entendu là-bas de dire on fait quoi? Ah, vous êtes pas sûr. Par contre, là, ça commence à me déplaire de demander ce que et tout. Non, j'ai entendu derrière dire qu'est-ce qu'on fait. RS pour le moment, s'il vous plaît. Donc, où, ils sont la carte grise est à votre nom, c'est bien ça, monsieur? Monsieur. Je peux le vérifier? Allez-y. Merci. Se trouve où la carte grise? Dans la boîte à gants. Au niveau de la boîte à gants. Je vais rentrer dedans pour vérifier. La mis dessus sur le. Je l'ai mis dedans. Très bien. Bon, ce que je vais vous demander, pour le moment il n'y a rien à signaler. Vos armes, vous les mettez dans le coffre de véhicule afin d'éviter toute tension au niveau de la gendarmerie ou d'autres. Alors, c'est carrément l'obligation. Je les mets dans le coffre de façon que ça se passe bien. Bien sûr. Vos cagoules, enlevez-les quand vous faites contrôler. Ça se passera également bien. On les suit pas. Là, vous avez juste un rappel à la loi, monsieur Harrison. On vous demande juste d'aller vers l'est. En revanche. Dommage.
Bon, très bien. Bonne route à vous. Et j'espère ne plus vous revoir. Bonne journée à vous. Je vais rajouter quelque chose qu'on collègue Gaumi Loubier. Celui qui n'a pas d'identité va nous suivre à la brigade. Et la prochaine fois que vous faites les kékés à dire là-bas, qui va vous sera arrêté tous les deux, vous voyez. Et vous, monsieur, si vous ne trouvez pas vos papiers dans les 10 secondes à suivre, vous viendrez avec nous et vous sera amendé pour tout ça. Ouais, je regarde aussi si c'est dans la boîte à gants, bougez pas. Ah, pardon. Ouais. Je vais faire attendre. Si vous tentez de partir, vous ferez que 10 mètres. Ah, monsieur, il n'y a pas de roue, j'aurais du mal. Attendez, je regarde. C'était bien dans la boîte à gants. Je me disais bien aussi. C'est qui que je les donne? Ah, moi, ouais, bonjour, bonsoir. Colonel. Oh, vous l'avez? Monsieur Nezos, d'accord, ouais, c'est bon, vous pouvez repartir. Bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée. Oh. Bonne soirée, monsieur. Je suis sorti avec mon télémètre comme quel boulet. C'est bon, ouais, j'ai pas. Bon, j'espère que j'ai pas trop fait l'idiot, mon colonel. Ah, c'est plus aussi, ouais, il y a les règles qui sont inscrits dans les, vous voyez, c'est quand ils disent, enfin, quand ils demandent entre guillemets de repartir sans veste une fois, ils peuvent. Mais bon, toi, le coup, ouais, j'ai pas un plat, lui par contre, ça peut pas passer. Ah, oui, mais vous avez raison. De manière, c'est vous qui devez fuir. Ouais, donc on dirait qu'on me dise de ranger les tadas, oui, vous rangez, mais il faut être prêt à sortir dans la seconde, quoi. Et... ça, bah moi j'étais prêt à le sortir. Hein. Moi j'avais la main sur le. Tout le pistolet. Ouais, enfin, vous voyez, votre technique d'être par terre, en fait, c'est. On va dire qu'en fait, il se méfie pas de vous. Alors, comment dire, j'avais armes en main, quoi. En une fraction de seconde, j'étais debout et bam bam, quoi. C'est l'avantage. Ouais, genre, je voulais garder vraiment le taser prêt à dégainer, quoi. Ouais, ouais, putain, quand j'aurais foncé dessus. Mais Reno, franchement. Il a vraiment la tête pour pas qu'il te blaire. Pourquoi? Ah bah, c'est pas si bon. Mais non, sur deux interventions déjà, Reno, franchement, je sais pas, c'est au-dessus de sa tête. Ouais, genre, quand on s'était fait braquer par cœur. Quand on s'était fait braquer par cœur. Quand Si j'étais avec Taylor et. Et Coco.